Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Fidèles aux hommes, ils ont mis droit, Taïmata, Chino, Tenez. Les 17 juillet 2022, de 11h11 à 15h11, au Stade du Martyr. Un jour, une date et un événement pour les hommes de Dieu, fidèles et chrétiens. Son initiatrice, la princesse Adèle Kainda Maïna, diaconesse Mama Kipendano, vous invite. Votre servante, intercesseuse et diaconesse, princesse Adèle Kainda Maïna, invite très humblement les églises de Kinshasa à intercéder en faveur de notre patrie, la RDC, et de phares d'essai à l'est de la République. Ne restez pas à la maison. Nous avons des compatriotes qui meurent. Mais nous venons implorons la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus, pour que la guerre cesse, pour que nous puissions remporter la victoire. Nous n'avons pas d'autre héritage que notre patrie, la RDC. Venez, intercédons ensemble. Venez nombreux, enfants, jeunes et vieux, à cette journée de jeûne et prière, de réconfort moral au phare d'essai. Madame la ministre, je suis avec vous. Je serai là, le 17. Je souhaiterais que tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui prient, puissent être avec nous là-bas. Dieu écoute les prières. Nous sommes certes en train de nous battre sur le terrain, mais nous avons besoin de l'appui de Dieu pour gagner cette guerre qui n'a que perduré. Nous devons, nous, aujourd'hui, nos armes de genoux pour soutenir les hommes en armes, nos enfants qui sont au front, pour que finissent les manipulations où nos enfants allaient au front et battaient en retraite. Inutilement, que Dieu leur donne le cœur de buffle, le cœur de lion et déterminé à sauver l'honneur de la nation. Kusambe le ponete na ikolo, kusambe le ponete na mapinga na biso fardese, oyi na minito, parce que l'on le biso quand même sonye na front, place Bazali. Bazali besoin na soutien, ya prière, ya moko na moko. To ya ebele, Bazali na kolo ba que. Nous devons avoir une bonne vision et parler du bien, parler pour le bonheur de notre nation. Alors, bien-aimés, avec Estras 10-4, lève-toi, car cette affaire te regarde. Venez en famille, c'est dimanche le 17 juillet 2022, de 11h11 jusqu'à 15h, au Stade de Martyrs. Bien-aimés, l'union fait la force. Car il est écrit, invoque l'Éternel au moment de la détresse, et il répondra. Cherchez, vous trouverez. Demandez, l'on vous donnera. Et nous voulons le retrouver tous. Jeûnons, prions pour notre pays. Le seul pays que nous avons, c'est la RDC. Le seul héritage que Dieu nous a donné, c'est la RDC, qui est notre patrie, qui est notre terre de promesses, comme les enfants d'Israël avaient leur terre promise, Canaan. La RDC est notre Canaan. Voilà pourquoi j'invite les enfants de Dieu à être nombreux et à répondre à cette invitation. On prie pour le pays dans son ensemble. Les FRDC sont une priorité dans nos prières et eux défendent la République, défendent le pays. Ces hommes méritent nos prières. Ces hommes méritent notre soutien. L'Éternel n'utilise pas que les pasteurs. L'Éternel n'utilise pas que les prophètes.
il utilise aussi les militaires. Et nous allons prier pour que l'Éternel les utilise, afin que la RDC vive en paix. Je voudrais inviter tous les salutistes, notre pays est en danger et a besoin de notre soutien dans la prière pour la paix de ce pays et afin que ce côté de l'Est, pourquoi pas parler de tout notre pays, soit dans la quiétude. Ça me rappelle un peu la vision. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que vous avez besoin de vous. 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 Vous avez besoin tous les 24 communes, la communauté, le mouvement, le stade de martyrs, vous avez besoin. Venez, venez, venez prier pour la paix et le développement de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. La RDC vaincra, vaincra, vaincra. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. L'actualité va tourner autour de ce que nous entendons d'abord à l'est de la République. Vous le savez, ici, il s'agit des agressions qui continuent d'ailleurs. Par exemple, l'armée, selon l'information que nous avons, a encore une fois repoussé une attaque qui avait ciblé ou qui ciblait la ville de Beni. Mais comment comprendre cette question? C'est tout simplement la suite de ce qu'on disait l'autre fois. Le M23 et les autres ont des soutiens. Ils ont des soutiens au niveau international, avec les multinationales que vous savez. Ils ont le soutien du silence des grandes puissances internationales. Tous les 5 membres de l'ONU sont implicitement, on va dire, d'accord avec eux, puisque personne ne sait les attaquer. Personne ne sait les attaquer. Personne ne se pose la moindre question de où ces groupes armés prennent les armes. Personne ne se pose la question de où ces gens se procurent des armes, tout simplement parce que ça ne dérange personne. Et en plus de cela, la traçabilité des armes, personne ne veut plier sur la question. On ne pose aucune question sur ce sujet. Et quand on regarde un peu plus près de près, on se rend compte même que nous connaissons même les fournisseurs, mais personne ne va lever son petit doigt pour le dire. On va plus loin. Ils sont encore considérés par les groupes, les grands groupes internationaux, les 5 membres permanents de l'ONU, comme de sécurité, pardon, comme un groupe rebelle. Donc même là-bas, ils n'ont pas encore changé la qualification. C'est encore des rebelles, c'est pas des terroristes. Vous savez pourquoi c'est des rebelles, pas des terroristes? Puisque la communauté, puisque le droit international, puisque la communauté internationale ne traite pas les terroristes et les rebelles de la même manière. Il y a possiblement des amnisties pour les rebelles, mais pas pour les terroristes. Alors, il ne faudrait pas qu'on mette ces gens-là dans les circuits du terrorisme, puisque ça peut les embêter, et que quand on va les arrêter, ils peuvent dire des choses, ils peuvent, en tout cas, retracer la ligne et tout ça, et tout le monde va être éclaboussé. Vaut mieux pas prendre ce risque-là. Et donc, on joue à cette hypocrisie. Entre-temps, il y a tout un peuple, il y a tout un État qui croupit dans le meurtre, dans le massacre, et comme ça, dans le silence de tout le monde. Alors, quand on a compris cette question de cette façon-là, on se rend compte maintenant que ça ne nous aide pas d'être dans toutes les communautés par-ci, par-là. Ça ne nous aide pas d'être, entre guillemets, en collaboration avec tout le monde, parce qu'après, ça ne nous sert absolument à rien. Les amitiés que nous on considérait comme amitié, on considérait comme pays ami, comme pays frère, comme... nous connaissons maintenant que ces gens-là ont plus d'intérêt que nous ayons des problèmes que lorsqu'on est en paix. Alors, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend, on croise les bras, on dit bon, on continue? Ou nous prenons des décisions radicales pour nous sortir de cette situation-là? Mais bizarrement, à l'intérieur aussi du pays, il y a des gens, moi, qui m'étonnent, qui tout de suite reprennent toute leur intelligence pour critiquer les stratégies que nous avons à l'intérieur dans le média. Je ne citerai pas les noms de plusieurs personnes, parce que j'en connais quelques-uns qui, moi, ils m'étonnent énormément. Ils ne parlent jamais de la fin du pays, de la faim. Ils ne parlent jamais des infrastructures que nous connaissons comme problème. Ils ne parlent jamais de la justice qui a un problème. Ils ne parlent jamais du niveau éducatif ou du niveau de l'enseignement. Mais eux, aujourd'hui, sont tous intelligents pour ne parler que de la situation de l'Est. Et bizarrement, pas que de l'Est, mais que de ce qui se passe au Congo.
S'ils ne critiquent pas l'armée congolaise, ils vont critiquer le gouvernement dans l'optique de l'armée. Ils seront là dans ça. Mais il fait qu'ils ne comprennent pas. Ils font le lit des autres. Ils font le lit des autres. Un peu comme si on était le seul politicien au Congo. On était le seul à avoir des politiciens qui parlent au Congo. Dans la région, il y en a aussi, non? Est-ce que vous avez déjà entendu un député ougandais ou un député rwandais critiquer les dispositifs militaires rwandais? Ça ne se passe pas. S'il le fait, c'est qu'il est à l'étranger. S'il le fait, c'est qu'il est en exil. Donc vous pensez que vous êtes plus intelligent, plus libre de critiquer votre propre armée, de critiquer vos propres stratégies militaires à la télévision, dans le média, dans les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est ça être intelligent. Alors qu'ailleurs, ils ont aussi des politiciens. Ils ont aussi les réseaux sociaux. Twitter n'est pas qu'au Congo, il y en a aussi au Rwanda. Il y en a aussi en Ouganda. Il y en a partout. Facebook, il y en a. Même s'il n'y a pas Twitter, mais il y a Facebook. S'il n'y a pas Facebook, il y a WhatsApp. S'il n'y a pas WhatsApp, bref, ils ont tous des réseaux sociaux. Mais à un moment donné, on se dit, il y a des choses que l'on peut dire et celles qu'on ne peut pas dire. Moi, je ne comprends pas que je vois des politiciens congolais en train d'attaquer notre propre armée. Je comprends pas. À un moment donné, je me dis, ou c'est moi qui suis bête, ou ceux-là qui sont bêtes. Puisque, en tout cas, sinon, on ne peut pas tous être bêtes en même temps. Il faudrait que les uns soient bêtes et que les autres ne le soient pas. Parce que je me pose la question. Comment on arrive à critiquer sa propre armée? Comment on arrive à critiquer son propre gouvernement? Pas dans les choses les plus essentielles, mais dans des questions précises. On reste là sur la question de l'armée. Quel est l'intérêt que vous avez si les groupes armés gagnent la RDC? Quel est l'intérêt que vous avez? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui développent une stratégie comme quoi, vaut mieux même que le Rwanda puisse prendre le Congo, il n'y a pas de problème, mais du moment où c'est Tshisekedi qui gère, comme ça, nous, on aura un discours à dire. On dira, comme si eux auront le pouvoir de venir libérer le pays quand il sera pris. Nous n'avons qu'un seul pays. Aujourd'hui, si ce pays part, il n'y aura pas élection. Si ce pays part, il n'y aura pas infrastructure, il n'y aura pas discours. Nous n'avons que ce pays ici. Alors, avec vos blagues, vos discussions inutiles et éphémères, vos prétendues intelligences soudaines et spontanées, que pour la question, à un moment donné, il faut se la ravaler un peu. Parce qu'après, on se dit, est-ce qu'on va aller dans la bonne direction ou on ne va pas aller dans la bonne direction? Pendant que le pays est agressé, pendant que tout le monde, je dis le monde entier, nous lâche, et vous le voyez clairement, que l'humanité toute entière nous lâche, personne ne nous tient à la main, personne ne nous soutient. C'est pas comme si j'étais en train de dire soutenez-nous, soutenez-nous. Non. Non. Mais je dis seulement que nous devons maintenant, nous, ça doit nous interpeller. Ça veut dire quoi? Ça doit nous poser des questions. On doit se poser des questions. C'est comme tu es dans une maison. C'est comme si tu étais dans un quartier. Prenons l'exemple de quelqu'un qui vit dans un quartier, dans une avenue. Lorsque la maison du voisin brûle, tu te précipites pour amener le seau pour finalement éteindre le feu. Lorsque l'enfant du voisin est malade, tu sors ton véhicule la nuit, tu interromps ton sommeil, tu le prends dans le véhicule, tu l'amènes à l'hôpital. Lorsque la femme du voisin a des problèmes, c'est toi qui viens. Lorsqu'ils ont un problème de sel, tu donnes les sels. Lorsqu'ils ont un problème d'eau, tu amènes de l'eau. Mais le jour où ta maison brûle, personne ne vient. Ils te regardent de loin. Ils te regardent de loin. Il y en a d'autres qui compatissent même. Oh, c'est pas vrai. Oh, la maison brûle. Oh, voilà le feu dans la fenêtre. Oh là là, les enfants sont en train de mourir. Ben, ils sont là en train de regarder. Personne ne vient même avec un petit seau pour vous aider. Et pire, on vous dit même, avant d'avoir le seau pour puiser de l'eau, vous devez demander la permission. Pendant que votre maison est en train de brûler. Et c'est-à-dire que le voisin s'unisse en disant, bon, là où ils vont vouloir venir puiser de l'eau pour éteindre leur feu, il faut qu'on soit au courant. Non, j'ai un feu qui brûle chez moi. Comment voulez-vous que je vous demande des permissions? Pendant que je suis en train de faire la procédure là, mais ma maison va être brûlée, je n'aurai plus rien. Je vais venir éteindre quoi? Les cendres? Où je viens d'éteindre le feu. Puisqu'il n'y aura plus de feu, tout sera déjà consumé. Mais quand on essaie de comprendre comme ça, ces choses-là, les gens ne comprennent pas. Mais maintenant, il faut définir des politiques à l'interne maintenant. Savoir comment on va régler la question. Comment nous allons, par quel mécanisme nous allons régler tout le problème. Moi, je le dis et je continue à le dire. C'est le moment pour nous de refaire notre force. Le temps de pleurer est passé. Et je crois, bon, ceux qui croient en Dieu, bien sûr, mais nous qui croyons en Dieu, c'est des signes qui nous montrent. C'est des signes qui montrent à suffisance combien notre développement, combien notre réveil, combien notre éveil va faire mal aux autres. Ce sont des signes précurseurs. C'est des signes, je veux dire, pas métaphysiques même, pour que vous puissiez comprendre qu'un pays qui fait mal à tout le monde, c'est la RDC.
Est-ce que vous imaginez, peut-être que les gens ne comprennent pas. Je réexplique le contexte. Nous sommes en guerre, d'accord? Le pays est agressé. Que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, nous avons la possibilité, le devoir, si vous voulez, le devoir de nous défendre, de nous battre, de repousser l'ennemi. Ça, c'est notre devoir, en tant que pays, en tant qu'État. OK. Mais pour ça, il faut avoir des armes. Mais maintenant, on vous dit non, non. Vous ne pouvez pas vous armer. Pour vous armer, suivez telle procédure. Comme si, dans la rébellion, là, dans ce terrorisme-là, le terroriste, eux vont observer la trêve. Pendant que nous, on sera en train de nous acheter les armes, eux seront en train d'attendre. Et qui vous dit, quand vous allez acheter les armes, les informations ne sont pas transmises de l'autre côté directement, et eux, ils s'arment doublement plus que vous. Et vous vous rendez compte que vous avez acheté les AK, les autres ont acheté plus d'antibales que ça. Et lorsque vous tirez, vous n'atteignez personne. Mais eux, ils vous tirent, ils vous atteignent. Vous allez acheter les munitions, les antibales, eux, ils ont des armes qui ne sont pas conventionnelles avec vos antibales. Et du coup, vous avez des antibales qui ne servent absolument à rien, déchiquetées par n'importe quelle balle. Puisque vous avez des antibales qui ne sont pas appropriées. Mais c'est criminel à un moment donné. C'est criminel, ça. C'est criminel. Mais maintenant, on ne peut pas vous le dire, parce que vous devez comprendre que vous faites peur. Mais quand vous avez pris conscience que vous faites peur et que tous vos amis veulent vous voir à genoux, tous vos amis veulent vous voir à genoux, vous faites quoi? Vous comprenez tout de suite, vous fermez les frontières si possible. Quand je dis fermer les frontières, c'est une idéologie. Vous fermez les frontières, vous dites on va se reconcentrer à l'intérieur. Comme ça, nous allons faire nos histoires nous-mêmes. Moi, je me dis toujours, et je ne comprends pas pourquoi les gens sont pessimistes. Et ils cachent, ils dissimulent ça au réalisme. Le pessimisme ne doit pas être une couverture du réalisme. Le pessimisme, c'est le pessimisme, le réalisme, c'est le réalisme, et l'optimisme, c'est l'optimisme. Moi, je suis convaincu, mais je suis très convaincu que nous pouvons fabriquer des armes au Congo. Vous entendrez les pseudo-intellectuels, excusez-moi, pas les pseudo, ils sont quand même intellectuels, d'ailleurs, ils sont libres d'opiner comme ils veulent. Non, c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible? Mais non, écoutez, c'est pas possible, hein, c'est pas le moment. Hein. Quel moment ça doit être? La Corée qui produit les armes, la Corée du Nord, qui produit les armes, c'est quelle université du Corée de la Corée que vous connaissez? Corée du Nord, je ne parle pas de la Corée du Sud, Corée du Nord. Sur quel terrain, sur quel autre secteur? Oh bah il m'a dit ma cassio que ça dit qu'il y a pas de danger. Puisque quand vous parlez aux gens, ils vous disent non, mais vous n'avez pas encore construit des routes, vous n'avez pas encore des universités, vous n'avez pas encore ceci, vous n'avez pas encore des hôpitaux. Comment vous allez fabriquer les armes? Et le pays qui fabrique les armes, ils avaient commencé par quoi? C'est un choix que vous faites. Vous savez, mes frères, quand vous êtes menacés, votre priorité, ce n'est pas d'abord de manger à votre faim. Votre priorité, c'est de régler le problème de l'insécurité. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas continuer à manger tant que vous serez en insécurité. Vous devez d'abord commencer par régler le problème de l'insécurité. Or, nous, notre problème au Congo, le ventre mou de notre pays, c'est notre défense. Nous avons un système de défense très faible. Et comme on a un système de défense faible et fragilisé à l'intérieur par les nombres d'infiltrations qu'on a connues, nous n'avons qu'un seul choix, c'est celui de nous redresser et de nous réformer. Et ça, il faut le dire de façon claire. N'écartons pas l'hypothèse de fabriquer les armes. N'écartons pas cette hypothèse-là. Aujourd'hui, on est en train de le dire, vous blaguez. Mais je peux vous rassurer que dans 10 ans, dans 15 ans, le discours de fabrication des armes deviendra un discours cartésien, deviendra un discours le plus important. C'est le moment. C'est le moment d'imaginer comment fabriquer les armes. C'est le moment d'imaginer comment devenir fort. C'est le moment d'imaginer toutes les matières premières pouvant fabriquer ces choses-là, on peut le trouver ici chez nous. Nous pouvons le trouver ici chez nous. C'est une question d'imaginer peut-être dans 2 ou 3 ans, et puis même pas dans 2 ou 3 ans d'ailleurs. Vous avez des Congolais qui sont des ingénieurs dans ces secteurs-là. Moi, j'en connais en tout cas 2 ou 3. Qui ont la capacité de fabriquer des armes au Congo. C'est juste une question de moyens, juste une question de vision, et juste une question de personnalité et de souveraineté. Si nous décidons maintenant, nous, d'imaginer un nouveau type d'arme que nous voulons faire, on peut le faire. Est-ce qu'on va faire des petites armes, des petits calibres? Est-ce qu'on va faire des grandes artilleries? C'est à vous de voir. Est-ce que vous allez faire des grands chars? C'est à vous d'imaginer. Parce qu'on, même en Russie, même en Chine, même aux États-Unis, ils ne fabriquent pas tout eux-mêmes, non. Il y a toujours des composantes qu'ils importent.
La Chine, par exemple, peut fabriquer une arme, mais au moins, pas, je dis pas que c'est ça, hein, mais un exemple. Au moins, par exemple, bah, ressort, et notre place, Moussous. Au moins, par exemple, bah, dispositif, Moussous, il y a arme, et eux, ils ont importé. C'est comme ça, on peut toujours faire la même chose. Nous aussi, nous pouvons commencer même à faire un truc. Même les véhicules qui sont fabriqués. Les véhicules ne sont pas fabriqués par un pays, Caïmor, Saline, ils sont tous, non. Bah, pneu, ou place, Moussous, par exemple. Bah, bilo, quoi, bah, électricité, ou place, Moussous. Bah, radio, et où ta place, Moussous. Mais c'est comme ça qu'on peut faire la même chose. En fait, c'est une question d'ambition. Quand on n'en a pas, c'est très compliqué. Il ne faut pas regarder les choses dans le présent, regarder les choses dans l'avenir. Ne regardez pas les choses qu'à apprendre, on dit, lelo. T'as la rappel lobby. Je suis très convaincu que si nous optons la possibilité, on a beaucoup de choses vont changer. Mais, et puis après, vous avez peur. C'est ça le problème. La peur. La peur empêche aux gens d'avancer. On a tellement peur d'imaginer le futur. On a tellement peur d'imaginer tout ce qu'on veut toucher. Ah, vous simbate. Ah, vous simbate. Mais finalement, vous simbanine. Ce bon lingou, on va tourner en armée. Bon, silica. Ce qui bon simbaboué. Bon, tumboka. Mais on fait comment? Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays où on a tous peur. À un moment donné, il faut qu'on prenne le courage de dire on va changer les choses. Je sais que ce que je dis est difficile à faire maintenant. Oui. Mais c'est possible de le faire maintenant. C'est difficile, oui. Mais c'est possible. C'est une question d'ambition. Si nous avons vraiment de l'ambition, on va le faire. Et puis après, ça va changer. Alors, il y a tellement de choses que je voudrais ici dire. Sur la guerre dans l'Est, Kinshasa doit, en interne, sortir du populisme et du confusionnisme et user de la transparence en disant la vérité au peuple sur ses engagements de 2019 avec le M23 Kigali. Notre stratégie de reconquête des territoires occupés par le M23 bat de l'aile. Je ne veux pas être désagréable ni désobligeant. Mais je me pose toujours la question sur notre capacité de voir les choses. Il y a des gens, c'est ça ce qu'on appelle vraiment le vrai populisme, c'est ça. C'est ça le vrai populisme. On veut dire des choses pour plaire, je ne sais pas moi, à un groupe de gens. Vous n'êtes pas militaire, vous n'êtes pas dans le secret de l'armée. Vous n'avez peut-être pas fait l'armée dans votre vie. Vous n'en connaissez absolument rien de l'armée, on va dire comme ça, si ce n'est pas de la théorie. Mais vous osez quand même donner des leçons à l'armée congolaise. Et vous dites, non, il faut qu'on puisse sortir secret, qu'on puisse dire la vérité, la transparence, la vérité au peuple sur les engagements 2019. Mais vous êtes député national. Dites-nous la vérité. Vous êtes député national. Vous êtes censé connaître ces choses-là. Dites-le. C'est ça le populisme, malheureusement. Et quand on essaie de le dire, les gens vont dire, non, mais Christian, tu t'en prends. Non, je ne m'en prends pas aux gens. Je trouve ça, excusez-moi de le dire, bas. Mais extrêmement bas. Pourquoi c'est bas? Parce que quand on est député, il y a des choses qu'on l'on dit, il y a des choses que l'on ne dit pas. Vous ne pouvez pas dire les accords de 2019, expliquer à n'importe qui, à n'importe quel Congolais, on va vous dire. 2019, comment ça se passe? Parce qu'il faut expliquer ça aux Congolais pour Kebayeba. Qui est premier ministre en ce moment-là? Les gens vont dire, oh mais non, c'est facile. Ah mais non, c'est pas facile. C'est pas facile. Comment le pays était dirigé en 2019? Comment le pays était dirigé? Je vous rappelle, les généraux de la République se sont retrouvés un jour dans une ferme. Vous le savez? Les députés nationaux, y compris ceux qui font la gueule aujourd'hui, se sont retrouvés dans une ferme. On est dans ce pays, le membre du gouvernement sèche les conseils des ministres pour aller répondre à l'appel dans une ferme. On est dans cette République, un député se permet en 2019 d'insulter littéralement le président de la République, le traitant d'inconscient. On est ici en 2019. Nous sommes en 2019 où le président signe une ordonnance, prend une ordonnance et un ministre refuse de l'exécuter. Nous sommes ici en 2019. C'est de quoi on parle? C'était quoi la République en 2019? Ça ressemblait à quoi la République en 2019? Nous sommes en 2019 où le cabinet du président de la République, alors le cabinet du président, branche communication. La communication fait un communiqué. Le président de la République rencontre l'ancien président et on dit le chef de l'État reçoit son homologue. Est-ce que vous imaginez ça? C'est ici où on est dans ce pays. Mais on avait deux présidents si vous ne le savez pas. Deux tigres étaient sur un même trône. À un moment donné, les gens doivent se réveiller. Pourquoi vous êtes aussi, je vais dire, terre à terre? Je comprends pas. Beaucoup de contrats qui avaient été signés, signés en 2019 n'ont jamais eu l'approbation, parfois du président. On va dire, mais c'est grave ce que vous dites, mais c'est réel ce que je dis.
Ça peut être grave, si vous voulez, mais c'est réel. On a vu ici, dans ce pays, comment le ministre boudait le président de la République, qui ne le sait pas. Et pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à dissoudre le mariage FCC Cash? C'était pour quel but? C'était pourquoi? C'était l'accumulation de toutes ces choses. Lorsque le chef de l'État dit que j'ai subi des humiliations, vous pensez qu'il faisait allusion à quoi? Non, les gens doivent être sérieux quand ils racontent des choses parfois. Ils veulent amuser la galerie. Quand Tshisekedi prend le pouvoir, le président de la République, nous traversons, le pays tout entier traverse une mauvaise période, pratiquement d'une année ou deux ans. C'était la cacophonie la plus extrême. Des accords signés à gauche, des accords signés à droite, des accords signés partout. Et parfois sans un cordon ombilical, sans un fil conducteur. Mais c'est maintenant, quand on a eu un autre gouvernement, que nous sommes allés revisiter certains contrats. On s'est dit non, mais ça, comment ça, on pouvait le faire? Non, pas possible. Et pas seulement dans le secteur de l'armée, même dans le secteur économique, même dans le secteur financier, même dans le secteur, dans plusieurs secteurs. Combien de contrats, même dans le secteur minier, combien de contrats ont été revisités? Tout simplement parce que, en ce moment-là, le ministre des Défenses, en ce moment-là, le ministre des Finances, en ce moment-là, le ministre des Mines, en ce moment-là, tous ces ministres-là qui avaient des secteurs clés étaient du FCC. Est-ce qu'il faut vraiment faire l'université pour comprendre ça? On vous a même sorti des théories ici primo-ministérielles pour montrer que Ilukam avait plus de pouvoir que le président de la République. Les gens perdent la mémoire à un moment donné. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Le pays a traversé une situation assez difficile, mais extrêmement difficile. Et aujourd'hui, ce qui met mal à l'aise le M23, puisqu'il n'y a plus possibilité d'amnistie, puisqu'il n'y a plus possibilité de réintégration dans l'armée, on vous balance un faux document qui passe sur le média. Oh non, en 2019, on avait signé l'accord. Avec qui avez-vous signé l'accord? Avec qui? Lisez le nom du ministre qui signe. Regardez l'obédience de ce ministre-là. Il était de quelle obédience? Vous avez trouvé la réponse? Moi, je dis ceci. Je ne me tairai point pour les populismes, les injustices. Nous allons démasquer tous ceux qui mettent le peuple dans la mauvaise direction. Il faut dire des vérités, même quand ça fait mal aux gens. Il faut dire des vérités. Le président de la République, en 2019, Tolingango, il a eu du mal à gouverner. Librement. Il a eu du mal à gouverner à cause d'une alliance qu'il avait faite avec l'ancienne administration. Quand vous êtes président de la République et vous n'avez pas la majorité, c'est très difficile, même en France. Quand vous êtes président de la République et que vous n'avez pas le contrôle effectif de l'armée, c'est très difficile, même aux États-Unis. Quand vous êtes président de la République et vous ne contrôlez pas les finances de votre propre pays, vous avez des problèmes, même en Russie. Ça veut dire que quand vous avez ces choses-là, puisque le pouvoir est d'attribution, la compétence est d'attribution, quand on signe certains contrats, quand on signe certains accords, il y a des accords qui impliquent obligatoirement le président de la République. Et puis il y a des accords qui n'impliquent pas le président de la République, qui impliquent le Premier ministre. C'est des choses, oh, il y a Miki basique, oh, Moutounio, c'est le mot qu'il faut comprendre. Oh, attention, il y a Simon, il y a deux ans, à Salata, bon, pas il y a deux ans, mais moi, on y a Salata Université, oh, quand il y a l'université, dans la première année, à comprendre déjà. Que non, il y a des attributions exclusives, dans le président, il y en a d'autres exclusives, dans le premier ministre, et puis il y en a d'autres, on va partager. Et ça, c'est aussi clair que l'eau de la source. Mais bon, les gens vont dire ce qu'ils veulent dire. Donc moi je crois que ce député qui raconte des histoires, c'est de la nérie tout simplement. Il veut blaguer. Mon député musu bana besoin baye babango, baye bana, ba mona ki baye bango, mais en réalité ba député ba lobamba kambo, ça pour la plupart des cas des gens qui comprennent rien. Ils comprennent absolument rien. Parce que moi si je suis député, je vous donne un exemple. Moi si je suis député. Et que j'apprends que le Congo a signé un accord avec un groupe armé ou un groupe terroriste. Que Bango Bagoya, Awa, Kokotanambo Kanabiso, Topesa Bongon Armée, ainsi de suite. Si je suis député, je vais le dénoncer. Je ne dirai pas, non, dites la vérité. Non, je vais dire, il s'est tenu. Mais nous avons même un monsieur qui n'est même pas député, le professeur Kalele.
Le professeur Kalele a rendu public des accords. L'Élysée, le professeur Kalele, l'Élysée, voilà un homme qui dit ce qu'il pense. Mais ici, vous avez, excusez-moi, une sorte de, voilà, des gens qui, au lieu de dire la vérité aux gens, ils disent non, bah, ça veut dire vérité. Vérité, ni balo banabino. Yo, et bi vérité, loba. Loba. La question, c'est que l'authenticité est accord en gros, c'est nyaka. Et ceux qui ont commis l'authenticité à Bakorango, oui, mais c'est bien sûr, banani, basenyaka, dans le contexte de Nini, basenyaka. Parce que la malhonnêteté, effectivement, c'est de soustraire quelque chose de son contexte. Parce que lorsque vous enlevez quelque chose de son contexte, on tombe dans un prétexte. Remettez les choses, excusez-moi, dans leur contexte pour dire dans quel contexte ces accords ont été signés. Dans quel contexte et qui les avait signés. Et ça venait d'où? Remontez, ne soyez pas paresseux. Remontez pour voir ça vient d'où. Et quand on dit ça, on dit qu'on est méchant. On n'est pas méchant, on dit la vérité aux gens. Nous, nous refusons de... Les accords. Parlons-en des accords, montrez les accords en question. Ils sont où les accords en question? Puisque moi, je suis dans les deux possibilités. S'il y a eu accord, dans quelles conditions, dans quel contexte, et c'était comment? Et d'ailleurs, on devrait se réjouir. Il y a eu accord, ok, mais on refuse maintenant l'accord, où est le problème? Alors, vous voulez que l'État... Beaucoup d'un compliqué. Donc, vous voulez que le Congo dise, ok, bon, oui, en mon temps, on a eu des accords avec eux, on va accepter les accords alors. C'est ce que vous voulez. Mais si c'est ce que vous voulez, dites-le. Et vous allez voir les accointances, c'est ma députée, ou à Bazalaka, à côté de mon corps. Ils vont aller regarder la télévision internationale pour aller raconter des histoires. Ils vont aller regarder la TV. Ils racontent, non, xénophobie, paranoïa. C'est le même groupe, en fait. C'est le même groupe. Malheureusement, au pays, c'est comme ça. Quand tu as demandé un poste qu'on ne te donne pas, alors tu commences à attaquer tout le monde, tu commences à critiquer tout le monde, tu commences à être dans tu montes dans tout, voilà, tu commences à tirer parce que ton poste, on te l'a refusé. Et c'est ça le comble avec nous. Donc, je dois dire ici aux gens, le terme, on va utiliser ça, populisme, confusionnisme, paranoïa, xénophobie, et là, on va lingi anguana. C'est ce qu'ils aiment, en fait, pour distraire l'opinion. Mais en réalité... Et puis, il dit, par exemple, notre stratégie de reconquête des territoires occupés par M23, bas de l'aile. C'est tout. Donc, ici, on est dans... Mais dites-nous, c'est quel territoire? Et c'est quelle stratégie? Bon, démocratie au bon moment besoin, ça va. Continuer dans cet élan-là. Peut-être qu'on ira très... On ira loin dans Bilokwana. Une autre... voilà, il y a la guerre de tranches. Non, il y a autre chose dans l'actualité. Il y a Christian Mwando qui réaffirme l'engagement du gouvernement à réaliser le deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Après le dépôt d'une plainte Godempoy contre le chargé de recrutement de l'UNC, Billy Kamba, le secrétaire général du parti de Kamere, met ses troupes en état d'alerte. Si Joseph Okata est arrêté, je demande à nos militants de se constituer prisonnier, moi en premier, car Godempoy donne aux cités le voleur autour du président Félix Tshisekedi. Mais ce n'est pas à lui de dire à Godempoy de faire ce qu'il veut. Non, quand on a... Mais pourquoi... Je ne comprends pas comment ça fonctionne au Congo. Je ne comprends pas. Donc, ici au pays, on ne peut plus parler des voleurs. Donc, si on dit les voleurs, vous vous fâchez. Mais pourquoi vous vous fâchez si vous n'êtes pas des voleurs? Pourquoi vous vous fâchez? Parce que moi, je ne vois pas pourquoi les gens devraient se fâcher sur la question. La prédication de M. Godempoy n'a attaqué personne. Godempoy n'a pas cité les noms des gens. Godempoy a dit ce que tout le monde peut dire dans un état normal. Que les voleurs, même quand ils sont acquittés, même quand ils sont laissés, même quand ils ne sont pas arrêtés, la justice divine va s'en charger. Mais où est le problème? Maintenant, il faut, c'est pourquoi moi je dis dans ce pays, il faut qu'on arrête cette histoire. Il faut qu'on arrête cette histoire des Obadbago les Canada TV pour raconter ce qu'ils veulent raconter. Surtout avec les noms des gens. N'habitez comment les gens font. N'habitez en tout cas. Ça dit, Badoumsou, on a beaucoup de capacité, on a, et on a le Canada TV, qu'on a un combo et un bateau pour, on a fait le bateau. Non. Il faut à un moment donné qu'il y ait des risques, qu'il y ait de l'ordre. Et moi, je pense que si, tous ceux qui ont sauté, malam, tout finit en devant procureur. Comme ça, il y a un coup, il insulte. Sinon, dans ce pays, si on fait, on est compliqué alors. Donc, on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Moi, je le dis, hein,
Je le dis d'ailleurs la fois passée. Autant je ne suis pas d'accord avec les gens qui insultent M. Vital Kamerhe, autant je ne suis pas d'accord avec tout ce qui veulent stigmatiser l'Ikambouana. Ngana loba ki yango déjà. La question de M. Kamerhe est là qui réglée la justice. Donc, ce qui il faut qu'on s'en prendre, ou qu'on s'en prendre dans Kamerhe, c'est pour Kamerhe, c'est pour Kamerhe, c'est pour décision. Kamerhe, c'est pour Kamerhe, acquitté. Mouto a quitté Kamerhe Zali, justice. Ceux qui vont estimer que justice, c'est là qui moussala nango, mabé. Donc, c'est à l'appareil judiciaire qu'il faut attaquer. Il faut plutôt apporter des raisonnements. Mayer le moussou soupo nango. Comment on va changer cet appareil judiciaire pour que produire un jugement inique, lui sous-souté. Ceux qui, jugement inique. C'est comme ça qu'on fait dans un pays. Mais où, comme il y a, confine Kamerhe matin, confine Kamerhe midi, confine Kamerhe soir, c'est pas possible. Moi, j'ai vu des choses plus graves. On attaque Vital Kamerhe, on attaque sa femme, mais c'est terriblement grave dans une république, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Attends, Vital Kamerhe, on va fondre binoté, mais même binomo coupé. Pourquoi t'as ta généte? Ça vous fait quoi, confine Rabatoukarabou? C'est pélique, confine Rabatoukarabou? Pour rien. Pour rien, Penza. Donc, la mouki n'a pas d'ailleurs, ou que fini Moutoukarabou? Mouto fini, bon, et banité. Bon, mais là, n'est place mon côté. Bon, coutanate, mon fingi est kaka. Po, yo, c'est pelio fingai. Na combo naïe en plus. Non. Vous voulez critiquer les détournements, moi, je suis d'accord. Critiquer les jugements iniques, je suis d'accord. Critiquer les voleurs, sans citer les noms des gens, je suis d'accord. Autant je ne suis pas d'accord avec le fait de vous attaquer à la personne de Vital Kamerhe et sa famille, autant je ne suis pas d'accord avec les gens qui s'attaquent à Godin Poyi parce que Godin Poyi a parlé des voleurs. C'est inimaginable. C'est inacceptable. Le monsieur Godin Poyi, que le balibalo babalo bate, ce monsieur n'a jamais insulté Moutou, n'a combo, jamais. C'est un prédicateur. Et ce n'est pas la première fois qu'il a prêché ce genre de choses. Ce n'est pas la première fois. Il en a déjà prêché. Souvenez-vous, monsieur Godin Paloba, Kenzambe, Bato Bakoufa, Bato Baza vivant, Bolanda Bato, Sobaïbambongo à l'État. Mais il avait déjà dit ça. En ce moment-là, ça n'avait pas fait un problème. Ça va faire un problème aujourd'hui. Le terme, le verbe acquitter, ce n'est pas Kamerhe qui l'a inventé. Le verbe acquitter existe avant la naissance de Kamerhe et ça va continuer à exister après la mort de monsieur Kamerhe. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas attaquer tous ceux qui vont parler d'acquittement. Non. Pourquoi ça vous choque? Monsieur Vital Kamerhe, la justice dit qu'il n'est pas voleur. Point barre, on s'arrête là. C'est la justice qui a dit. Comment les gens peuvent ne pas sortir, utiliser le moyen légaux? Le moyen légaux sont déjà là. La justice a déjà dit que monsieur n'a pas de problème. Point. Même ceux qui m'ont demandé au ganga, il y a des moyens, mais la justice a l'objet déjà qu'ils aient été. Alors, qu'est-ce que vous voulez encore? C'est pourquoi je dis aux gens, l'ikambo y a fanatisme. L'ikambo y a fanatisme. Et aussi, Misabino va toucher. Et belé. Et belé. Il y a un mot que Vital Kamerhe a remané le côté. Il ne parle pas. Parce que pourquoi M. Vital ne parle pas? M. Vital Kamerhe ne parlera pas. Puisqu'il sait que ce n'est pas lui. Ce n'est pas de lui qu'on parle. Mais comme Batou, Bazarapimbe, Nibaliga, Bamou, Nabango, Kibalobaki, Basalaki, t'as de place au Roto, comme. Moi, je crois que, c'est un peu de mettre de l'eau dans nos vins. L'UNC est un grand parti politique qui est même allé aux élections, qui a été une fois troisième dans Mboka Nabiso. Je pense que nous devons prendre un peu de la hauteur. Les autorités de l'UNC, essayez de recadrer vos hommes, essayez de recadrer vos membres pour qu'ils évitent les attaques personnelles. Ainsi, les autres partis politiques font la même chose. Éduquez vos membres. C'est pourquoi dans les partis politiques, il y a une branche qu'on appelle l'éducation civique. Ma parti politique peut faire ça, la kabamatine wana. Ma civisme wana. Les membres d'un parti ne peuvent pas commencer à insulter les gens comme ça. On a insulté Kabila, on a insulté Tshisekedi, on a insulté Kamerhe, on a insulté les cardinals, on a insulté tout le monde. Bon, finalement, on vit dans quel pays? Un pays des insultes ou un pays de quoi? Pour beaucoup, en tout cas, insultes, c'est quoi, coltan, cobalt, nabiso. Autant on a des richesses, autant on a des insultes. Mais c'est pas possible. Il faut à un moment donné qu'on arrête ça. Donc, je ne prends position pour personne. Sur la question, je soutiens monsieur le président de l'Assemblée provinciale, parce qu'il n'a cité le nom de personne. Et aussi, je m'insurge dans le contre-bateau Nyoso, ma collègue, c'est un peu comme ça, Na raisonnement, na idéologie. Na fonctionnement, c'est l'appareil judiciaire.
si vous êtes déçus. C'est l'appareil judiciaire qu'il faut attaquer pour voir. Laissons les hommes, laissons les individus. Faisons des grands débats. C'est très important. Voilà un peu ce qu'il fallait dire aujourd'hui dans le cadre de l'émission Monsieur Alilo. Là, bon, ça, cette information, je ne vais pas la lire parce qu'elle ne pas qu'elle me plaît pas, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. Nous devenons officiellement membres de l'IAC. La guerre des tranchées entre Mozuto et Fayulu. Oui, là aussi, il fallait que j'en parle, mais on en parlera plus tard. C'est quand même un problème là-bas, ici aussi, il faut dire. Hein. Un vrai, vrai, vrai problème. Parce qu'il y a Mozuto qui pense que ce sera lui le candidat président. Il y a Fayulu qui pense que c'est... Qui pense. On a déjà plébiscité que c'est lui le candidat président de SID. Alors, vous voyez déjà que ça commence à devenir un problème. Est-ce qu'il faut d'abord... Parce que les candidatures sont précédées par quelque chose. Et c'est ça. On se retrouve demain. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuez-nous aux hommes, ces opinions, d'Aïmada, Chino, Loyer Mali, Loyer Bolon, Nene Lalisa.